Béatrice m'a invité de parler de 3 minutes. J'ai décidé, en regardant le pendule de Foucault dans l'entrée, à notre latitude moyenne de 43 degrés 31 minutes nord, le pendule prend 23 heures et un nombre de minutes pour faire la rotation complète. Et j'ai décidé, pour les petites minutes que j'ai, de ne pas mesurer mes mots de remerciement avec la période de rotation de la pendule de Foucault. Autrement, nous serons ici jusqu'à après-demain. Un premier mot de remerciement à Béatrice. De dire un nombre de choses si bon à mon sujet, vous avez dû travailler très longtemps. C'est pas facile à dire des bonnes choses à mon sujet, mais vous avez trouvé la façon. Le poète W.H. Auden, vers la fin de sa vie, a écrit un poème en anglais. Le titre A Thanksgiving. C'était un poème de louange et de remerciement dédié à ces poètes et penseurs qui lui avaient suivi de guide et d'inspiration tout au long de sa carrière d'écrivain. Ce poème se termine ici, excusez l'anglais, without you, I couldn't have managed even the weakest of my lives. C'est dans le sens de Auden que brièvement, sans les nommer, je ne serai jamais accepté à l'Université de Montréal à travers l'Institut de recherche clinique de Montréal si ce n'était pas toutes les influences, au début, les professeurs de mathématiques et physique qui m'ont influencé profondément. Après ça, une longue série de professeurs en philosophie et en théologie. Mais une expérience m'a profondément marqué et rarement marché. En 1973, à Trent University of Peterborough, en Ontario, j'étais invité par une quarantaine de chefs de tribus amérindiennes pour donner une présentation sur la théorie générale des systèmes et la vision holistique de la nature dans cette théorie générale des systèmes. Durant 2 jours, ces chefs m'ont gentiment acculé au pied du mur avec une idée fondamentale qui semblait dire à moi, David, vous et les autres, votre projet scientifico-technologique est destiné à produire une série de catastrophes. Vous ne contrôlez pas ce projet. C'est le projet qui vous contrôle. Quand j'ai entré dans la salle avec ces chefs, 40 chefs de tribunaux amérindiennes, j'ai entré avec une attitude d'orgueil, de supériorité. J'ai sorti, après 2 jours, comme un tissu, enseigné profondément par ces hommes et par un homme de femme qui était à l'intérieur de cette salle.
Mes mots de remerciement rapidement. Mais premièrement, comme je vous avais dit, c'est à la professeure Béatrice Bédard pour les mots extraordinaires qu'elle a préparés sur moi. Après ça, à Dr. Jacques Genet, qui a fondé l'Institut de recherche clinique de Montréal et qui m'a invité à un moment où j'ai maîtrisé à peine 60 mots de français. Je ne sais pas si je maîtrise tellement de mots de français maintenant, mais quand même, je me sens un peu à l'aise avec la langue. Il m'a invité à démarrer le centre de bioéthique en 76. Et à travers toutes ces années, 32, 33, j'ai appris tant de choses des généticiens, des spécialistes en biologie moléculaire, en biologie cellulaire. J'ai une gratitude profonde à cet institut. C'est à travers cet institut que j'ai entré dans l'Université de Montréal et la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Ces scientifiques m'ont toujours fait sentir que j'étais un égal à eux. Et la même chose dans tous les hôpitaux ici de Montréal, du Québec, à travers ma présence dans la faculté de médecine, l'hôpital Hôtel-Dieu, Notre-Dame, Sacré-Cœur, Maisonneuve-Rosemont, au début, Hippolyte Lafontaine, j'ai travaillé secrètement dans cet hôpital psychiatrique. Après ça, à Québec, dans les hôpitaux Saint-Sacrement, L'Avant-Jésus, etc. C'est à travers ces contacts presque journaliers avec des médecins, des infirmières, des psychiatres, des psychologues, et spécialement des patients et les familles de ces patients, que j'ai appris une méthodologie de la bioéthique qui demande une implication très intense en la réflexion et l'analyse philosophique, sociologique et la pratique de la science, pratique de la médecine clinique, mais aussi la pratique de la science fondamentale en médecine. J'ai une attitude, un sentiment de gratitude profonde, difficile à exprimer en quelques mots, pour l'Université de Montréal, pour tous ces hôpitaux et toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Maintenant, un autre remerciement, quand j'ai quitté l'Institut de recherche clinique de Montréal en 2008, le centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal m'a accepté avec notre équipe. Et nous travaillons là depuis 2008, dans un centre et un hôpital dévoué aux personnes âgées, des personnes qui très souvent ont perdu beaucoup de leurs compétences, de leur fonctionnement. Et c'est dans un contexte qui était pour moi assez nouveau, que j'ai, avec les autres personnes qui travaillent avec moi, que nous poursuivons notre travail. C'est spécialement Dr. Yves Chouinette et Dr. Sylvie Belleville de ce centre de recherche. Je veux remercier pour m'avoir accepté à l'intérieur de leur centre, d'avoir m'accepté et tous les membres de notre équipe. Il y a une personne que je veux remercier d'une façon très, très spéciale. Elle a voulu être ici ce soir, mais elle ne se sent pas très bien avec une rhume de le mois de novembre. C'est Madame Electa Baril. Elle était l'assistante administrative du Centre de bioéthique dès le début,
Même 5 mois avant que j'arrivais à l'Institut, elle était là. Et elle continue à travailler avec nous dans le centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Je me souviens au début, j'espère que je ne suis pas encore arrogant comme ça. Mais au début, j'ai entré à Montréal et elle m'a dit, David, il faut que vous appreniez à parler le français un peu. Je dis, Electa, s'ils veulent connaître la bioéthique, laissez-leur apprendre comment parler anglais. Oh, oh boy, ça n'a pas duré très longtemps cette attitude. J'étais invité à des programmes de radio avec Fernand Séguin, un biochimiste, une grande figure dans l'Université de Montréal. Il m'a aidé, il a posé des questions, moi j'ai essayé de trouver quelques mots français, il a dit « David, vous voulez dire ?»« Oui, oui, c'est ça que je veux dire. » Alors j'ai sorti de ma première interview de radio avec Fernand Séguin, convaincu que j'étais capable de parler le français. Ça m'a pris quand même une autre 3, 4, 5 années et je continue à apprendre comment parler le français. Alors, Mme Balil, qui a organisé presque une centaine de conférences à travers 30 années, toutes sortes de workshops, qu'il m'a donné le désir et qu'il m'a poussé pour maîtriser la langue française, un remerciement énorme. Des remerciements quand même, il y a deux visages. Un visage vers le passé, un visage vers le futur. Un remerciement peut rester un lettrement si tous les dons, toutes les opportunités que j'ai reçues à travers toutes ces personnes ne se transforment pas dans des activités nouvelles, des activités, j'espère, d'excellence vers le futur. Et je m'engage d'assurer que mes mots de remerciement ne restent pas vides. Nous travaillons sur des maladies rares, des médicaments extrêmement dispendieux pour les maladies rares. Nous poursuivons nos études sur toute une série de problèmes éthiques liés aux personnes âgées. Et nous commençons à ouvrir un nouvel chapitre sur l'utilisation des algorithmes. Les algorithmes sont des très, très, très longues séries d'instructions pour les ordinateurs. Depuis 15 ans, dans les bourses de New York, Chicago, San Francisco, London et Tokyo, c'est les algorithmes qui dominent largement les prises de décision pour l'investissement. C'est un monsieur Petterfield, un professeur Petterfield, qui a élaboré ces algorithmes, qui utilisent de la haute mathématique, et ces algorithmes parlent l'un à l'autre. Le danger que ce que nous serons, l'image était déjà donnée, comme des citoyens à Rome dans l'amphithéâtre, regardant les gladiateurs qui se battent l'un contre l'autre. Le danger que nous serons de plus en plus des observateurs, des gladiateurs, traductions, des algorithmes qui se battent l'un contre l'autre. Le danger, c'est que les algorithmes auront de plus en plus de pouvoir à un point qui devient un nouvel déterminisme. Et un des problèmes de l'éthique, de la bioéthique en émergence, c'est comment de comprendre, d'analyser et acquérir une compréhension qui donne aussi un degré de pouvoir sur ces algorithmes qui affectent pas simplement les transactions dans les bourses, mais commencent à affecter toute une nouvelle génération d'armements militaires qui ne sont pas contrôlés par les humains, mais qui sont contrôlés par les algorithmes. Ils deviennent indépendants des êtres humains. Alors, temps de terminer. Merci pour votre attention. Merci pour votre décision de m'accorder cet honneur ce soir.
je suis profondément touché, et profondément touché encore une autre fois par les mots de Béatrice Bédard. Merci.